Salut à tous, Bad Belaja pour Boxing Mag TV. Aujourd'hui, je suis invité par Michel Lebrun, le président de CEK de Saint-Nazaire, afin de promouvoir la Coupe départementale de karaté. Cette coupe est organisée par le comité départemental 44. Une trentaine de clubs, 250 participants, une ambiance de compétition. Varnec, donc je suis le responsable d'arbitrage départemental. Donc je suis licencié à Pornichet et aujourd'hui on est à la soucoupe pour la coupe départementale Poussin Pupi Benjamin Cumité. Un petit mot sur le déroulement. Donc bah écoutez, tout se déroule bien. On a mis en place un nouveau système qu'on retrouve au niveau national, c'est-à-dire qu'on a toute la gestion qui est faite par ordinateur. Donc tout se passe très bien. Pour notre première, on avait un petit peu peur, mais tout se passerait très bien dans l'ensemble. Jean-Christophe Paco, je suis ceinture noire 4e Dan et je suis le directeur technique départemental sur le département 44. Aujourd'hui nous sommes sur le championnat des combats des Poussins, Pupilles et Benjamin qui se déroule à la soucoupe à Saint-Nazaire. Nous avons environ 200 participants. La journée se passe bien pour l'instant, les jeunes sont contents. Alors le karaté sur le département, nous sommes à environ 4500 pratiquants. Nous avons tout un groupe de jeunes qui pratiquent façon loisir et une minorité qui pratique pour la compétition. Et aujourd'hui, nous avons les meilleurs du département en compétition qui s'affrontent pour le combat. Donc nous sommes donc à la soucoupe, une belle salle sur Saint-Nazaire. C'est un lieu qui regroupe tous les clubs de la presqu'île. Le club de Nantes et les alentours se déplacent, le pays de Ray aussi. C'est intéressant de le faire à la soucoupe parce que la salle est très grande, magnifique. Et c'est Michel Lebrun, le président, le professeur du karaté club de Saint-Nazaire qui nous a proposé de l'organiser ici. On est ravis, donc je pense que ça se reproduira dans les années à venir. Donc là, on a actuellement 25 participants pour la compétition Pupilles Minim Benjamin en karaté traditionnel. Et on arrive de Paris, là, on avait une compétition à Vernon, la Coupe de France Karaté Full Contact, où on avait 4 représentants. Ils ont donc 3 podiums. Boylen Belabas qui a terminé premier dans sa catégorie en moins de 90 kg. Et puis ensuite Jean-Philippe Jubeneau qui a fini deuxième dans la même catégorie de moins de 90 kg. Et Ryan Werich qui a terminé troisième dans en catégorie de moins de 64 kg. Et autrement, on a Adrien qui a fait 2 tours quand même dans sa catégorie, qui nous a fait une belle prestation. Une demi-finale assez dure, parce que je tombe contre un mec quand même assez fort, assez incisif. Mais je m'en sors bien, et puis voilà, la finale avec Bolem, comme je vous dis, qui fait que il a eu raison de moi, et puis je gagne la deuxième place, et lui la première. Donc voilà, ça reste de bons résultats pour nous quand même. Oui, en effet. Donc, on était la semaine dernière à Vernon, à Paris, pour participer à la Coupe de France Karaté Full Contact. J'ai remporté le titre, j'ai pris la médaille d'or et je suis tombé en finale contre Jean-Philippe Jubeneau, mon camarade de toujours. Donc ça a été un très très beau combat en finale. Bonjour, Christophe Vital, entraîneur du Tsuki Karaté Club de Nantes, situé à Rezé, à Pont-Rousseau. On est sur un travail qui dure toute une année, et arriver à une compétition comme ça, ils ne sont pas là pour chercher le conflit, ils sont juste là pour appliquer leur technique, on peut dire la technicité, voir si leur bagage leur permet de pouvoir peut-être prétendre à un petit podium qui reste au niveau départemental mais qui fait toujours chaud au cœur. J'ai 2 enfants qui participent aujourd'hui à la compétition. Un enfant qui était en Benjamin et un autre en pupille qui ne va pas tarder à repasser. L'enjeu, bien sûr, c'est qu'ils prennent du plaisir à être ici, qu'ils puissent aussi se mesurer à d'autres, qu'ils puissent voir ce qu'ils donnent, qu'ils puissent évoluer aussi dans la vie de manière à voir ce que c'est que la compétition. Ça peut leur servir dans leur vie de tous les jours, au quotidien et pour plus tard. Donc je trouve intéressant qu'ils soient ici en départemental. Très belle
compétition avec des beaux clubs, des beaux gestes. Et ça fait vraiment plaisir à voir, quoi. Merci, bonne continuation. De rien, merci, au revoir. Eh bien, c'est très positif. On a bien aimé cette journée. C'est sa deuxième compétition. Et elle a réussi à se classer, voilà, c'est bien. Changer un petit peu du milieu scolaire et puis lui permettre de faire autre chose, de prendre confiance en elle, voilà. Moi, je m'occupe là pour l'instant des pupilles garçons. La compétition se déroule très bien, il y a beaucoup de monde, donc c'est bien pour la ville de Saint-Nazaire, ça permet d'avoir beaucoup de karatéka aussi. Et bon, pour l'instant, ça se passe bien. C'est un peu long, mais ça se passe bien. Je m'appelle Massine, j'ai 9 ans et je suis au CEK de Saint-Nazaire. J'ai perdu, je vais essayer de faire mieux pour le prochain combat. Je m'appelle Enzo, j'ai 7 ans, je viens du Pyriec-sur-Mer. Je suis très très content d'avoir la médaille d'or. Et voilà, c'est la fin de cette émission de karaté. Bien sûr, on restera toujours fidèle à la promotion des sports de combat et les arts martiaux. Au revoir.